est lâche. Pas du tout. L'homme est patient. Et c'est pas tant qu'on soit lâche, c'est surtout qu'on veut pas faire de mal. Ben voilà, c'est exactement ça. Je ne veux pas faire de mal à Julie. J'ai une nouvelle émotion qui monte. Je peux gifler à nouveau. C'est vraiment nécessaire. Oui, ça m'apaise. Bon, alors si ça t'apaise... Oui. Merci. Sois indulgente avec Alain. Il traverse une mauvaise passe en ce moment. Ouais, ça fait 1000 ans qu'il traverse une mauvaise passe. Oh. Il compte en traverser une bonne un jour. Ce soir, je crois. Ah ben écoute, fais-t'on ce miracle alors. T'es en train de me plaquer comme une moins que rien pour une fille dont tu veux rien me dire là. Tu joues lâchement aux devinettes. Hein. Je crois que c'est le moment ou jamais pour péter les plombs. Alors dis-moi qui c'est. Bon ben je te le dis, mais c'est pas une femme. On n'invente pas une histoire aussi incongrue sans un fond de vérité, ou alors faut être un crétin. Tu trouves qu'Alain a une tête de crétin? Ne me pose pas la question, s'il te plaît. Je connais son nom. Son nom. Boris. T'étais au courant pour Alain et Julie? Non, qu'est-ce qui se passe? Alain la quitte. C'est pas vrai. Ça alors? Mais ils devaient partir ensemble en vacances. Bah oui, mais visiblement, il a rencontré quelqu'un. C'est pas très clair. Julie pense que j'acquitte pour Boris. Bah, c'est ce que tu m'as avoué hier, non? Sous la contrainte. Ah bah, tu voulais un nom, alors je t'en ai donné un, mais en fait, je pars pour une mannequin suédoise. Alain, t'as vu ta tête? T'es encore moins crédible. Tu m'en veux pas pour la gifle? Mais non, enfin c'est normal. Ça fait partie d'une réaction saine. Je peux t'en remettre une autre, alors? Écoute, si ça te soulage... Oui. Merci. Merci, ça me permet d'évacuer un trop-plein d'émotions, mais n'y voit aucune agressivité de ma part.